Salut, moi c'est Marie-Lou, j'ai 15 ans et je suis atteinte de lupus érythémateux dissimulé et un tas de maladies. Aujourd'hui, je porte la couleur mauve et le symbole du papillon pour représenter ma maladie parce que le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation pour le lupus. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo informative pour essayer de débunker un peu le lupus, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, pour qu'on essaie de sensibiliser les gens à la cause et essayer de mieux comprendre ce que ça fait de vivre avec ça tous les jours. Donc, j'ai mon ordinateur avec moi, j'ai retracé toutes les informations que j'étais capable sur le lupus pour essayer de simplifier. Toutes les ressources que j'ai utilisées vont être mises dans la description de la vidéo. Selon Wikipédia, le lupus érythémateux disséminé est une maladie systémique, auto-immune, chronique de la famille des connectivites, c'est-à-dire touchant les organes du tissu conjonctif qui se manifestent différemment selon les individus. Ça, c'est la définition de Wikipédia. Ça veut pas dire grand-chose. Alors, pour commencer, c'est quoi une maladie auto-immune? Une maladie auto-immune, c'est lorsque le système immunitaire d'une personne, c'est l'affaire qui sert à comme combattre les maladies, va décider qu'il voit plus trop la différence entre lui-même puis un genre de virus, donc il va comme s'attaquer lui-même. Ce qui veut dire qu'une personne avec une maladie auto-immune, son système immunitaire va comme pas comprendre c'est quoi la différence entre le virus de la grippe et lui-même, et dans les deux cas, il va juste l'attaquer puis essayer de l'éliminer. Il existe plusieurs types de maladies auto-immunes, comme le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux disséminé, qui est la version la plus commune du lupus. Le lupus érythémateux disséminé, ou LED, c'est une maladie auto-immune qui, elle, va s'attaquer plutôt à les organes du corps et les tissus. Donc le système immunitaire s'attaque plus aux organes et crée de l'inflammation. Ça peut s'attaquer au cœur, aux reins, aux poumons, au système nerveux, à la peau, aux vaisseaux sanguins. Ça peut vraiment s'attaquer à n'importe quel organe du corps. C'est ça aussi qui fait que qui rend la maladie vraiment complexe, parce que il y a tellement de façons possibles d'être atteint que jamais une personne qui va avoir les mêmes symptômes qu'une autre personne. Ou du moins c'est plutôt rare. C'est même la raison pour laquelle on l'appelle la maladie aux 1000 visages. Assez représentatif. Au Canada, une personne sur 2000 est atteinte du lupus, dont 90% qui sont des femmes. Elle peut arriver autant à l'âge adulte que durant l'enfance, bien que c'est plus commun de l'avoir entre l'âge de 15 et 45 ans. Elle n'est pas nécessairement là de la naissance, mais elle peut arriver vraiment à n'importe quel moment de ta vie. Les causes du lupus sont assez nébuleuses et inconnues, mais la plupart des chercheurs l'attribuent généralement à des causes génétiques ou environnementales. Ça peut même être des fois induit par la drogue. Ce n'est donc ni une maladie biologique ou une maladie transmissible ou une maladie qu'on trouve à la naissance. C'est vraiment, ça arrive quand t'as des symptômes, puis soit tu peux passer plusieurs années sans te rendre compte si t'as pas de symptômes. Comme j'ai dit tout à l'heure, les symptômes du lupus peuvent être très différents d'une personne à l'autre. C'est pourquoi souvent on la divise un peu en catégories, comme par exemple le lupus érythémateux discoïde qui atteint principalement la peau, la néphrite lupus, je pense, qui atteint les reins, ou encore le neurolupus qui atteint plutôt le cerveau et les systèmes nerveux. Malgré toutes ces différentes atteintes, on peut retrouver certaines similitudes dans les symptômes, comme par exemple de la fatigue chronique, qui est un genre de sentiment d'être constamment fatigué, épuisé, même si tu dors des heures. Il y a aussi l'inflammation des articulations ou la douleur dans les articulations qui est similaire à l'arthrite. Et puis aussi, il y a des manifestations cutanées, donc sur la peau, ça peut être un truc qu'on appelle le masque, qui est comme tout sur le visage ici, t'as comme la peau toute irritée et plein de petits rashes dans le fond sur le visage. Certains tests sanguins ou IRM peuvent démontrer la présence du lupus, mais c'est pas super fiable. Des fois ça le montre, des fois ça le montre pas, des fois ça le montre même si tu l'as pas. Fait qu'en général, les médecins se basent plutôt sur les symptômes pour diagnostiquer une personne et aussi les tests. Mais ça peut prendre vraiment, vraiment, vraiment longtemps quand tes symptômes sont pas clairs puis que ça passe par plein d'autres diagnostics avant d'arriver au lupus. La sévérité de la maladie peut vraiment varier d'une personne à l'autre, mais elle est jamais vraiment mortelle, à moins que tu aies une atteinte très sévère des poumons ou des reins. C'est rare que ton espérance de vie va pas être comme la plupart des gens en santé. Par contre, la complexité de la maladie rend les traitements un peu plus difficiles. C'est quand même assez commun de commencer par traiter les symptômes avant la maladie, comme par exemple s'il y a de la douleur, on va traiter avec des antidouleurs, ou s'il y a des cas de psychose ou d'épilepsie, on peut traiter avec des antipsychotiques ou anti-épileptiques.
Mais pour essayer de garder un contrôle plus général sur la maladie et éviter que les symptômes viennent et repartent, on utilise plus des traitements un peu plus élaborés. Comme le lupus est une maladie où le système immunitaire s'attaque à soi-même, il est comme trop fort, il veut trop tout éliminer, mais tu vas essayer de le rendre moins fort avec des immunosuppresseurs. Il existe plein de traitements pour affaiblir son système immunitaire, mais au final, le résultat reste pas mal le même. Le but, c'est vraiment d'endormir la maladie, et une fois qu'elle est stable, qu'on est bien traité et endormi, on peut rester plusieurs années sans symptômes. Au final, malgré que les premières années du diagnostic peuvent être assez difficiles à vivre avec beaucoup de symptômes et d'ajustements de traitement, si tu gardes un suivi médical serré et que les bonnes choses pour te traiter, tu peux quand même avoir une belle qualité de vie ou une belle vie en santé, ou presque. J'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre le lupus et qu'est-ce que ça fait de vivre avec ça tous les jours. Alors, bon mois de la sensibilisation du lupus!